Et re-salut. Donc, 2 secondes, je mange une orange là, donc. Attends, je vais essayer de. Voilà. Là, je joue à une marque parce que je mets du jus partout sinon. Voilà. Excusez-moi. Vous voyez, hein, les énigmes, pas trop dures. Et là, on obtient un croissant qui est le même que le brasset de fleurs de volant, qui est le même exactement hein, que dans l'aiguille. Pour l'instant, tous les objets qu'on a eu, on les a eu dans Incidence. Deuxième donjon encore, troisième. C'est à partir du troisième donjon que les objets différeront un peu. En fait, au troisième, on a un lance-grain un peu différent de celui de Sidas. Voilà. Vous allez voir, je vais vous l'expédier le donjon, mais. Un truc de taré. On n'a plus qu'un coffre. La clé du boss. Et hop. On va miser alors. Exploser. Putain, viens ici, vous. Merde! Ah, c'est pas vrai. Je vais bien faire ça. Ouais, merde. Je perds du temps. Voilà. Oui, je vous l'ai peut-être pas dit dans Seasons, mais en fait. Voilà, on peut soulever les poteries. Mais on peut aussi pousser en fait. Enfin, ça vous le saviez, mais je veux dire qu'on peut pas pousser les poteries tant qu'on n'a pas le bracelet de force. Voilà. Alors là, on va retourner au mini-boss parce que le boss est pas loin. Comme ça, on va l'éclater en 5 secondes. Donc là, vous allez reconnaître un ennemi très chiant. Alors là, restez pas comme ça à pas bouger parce que. Voilà. Vous avez compris. Il y a toujours ses mains ultra chiantes. Voilà, premier boss, donc vous avez vu, c'est un donjon, comment dire, avec des morts vivants, machin. Voilà, et là on retombe sur une citrouille, donc assez sympa à battre. Faut pas juste la brûler en fait, faut, bon, elle lance des beignets éclairés, elle. C'est des beignets, voilà, elle saute. Bon, c'est juste pour montrer ses attaques que je fais ça, j'aurais pu le faire en 5 secondes. Et en fait, faut prendre la citrouille et lui rebalancer dessus. Voilà, 2 fois, c'est fini. Donc des fois j'arrête de jouer, c'est parce que je coupe une tranche, hein, je suis désolé. Voilà, c'est les essences du temps, alors que dans l'eau c'est les essences de la nature. C'est la même chose. Hein. Comme dans les instruments dans Link's Awakening, quoi. Par contre là, j'ai bien compris ce que c'était, ça on dirait des citrouilles en fait. Voilà dans comment. Dans Season, il y a des feuilles qui tombaient là, avant qu'ils parlent. Et là on dirait des citrouilles, je sais pas ce que c'est. Merde, merde. Rencontre avec elle. Oh putain, je trouve un trop bon truc là. Putain, regardez le bug là avec le rubis. Vu que j'ai fait l'attaque cyclone en même temps. Et du coup, je vais relâcher l'épée. Vas-y. Ça, c'est peut-être un moyen de prendre l'anneau s'il tombe à côté de nous. Voilà. Alors, elle cherchait l'œuf long dans
dans Season. Et maintenant, faut que je cherche le livre. Voilà. La pauvre. Rien le temps de prendre. Juste un petit truc. Voilà. Et là. Alors là, j'étais bloqué aussi quand j'étais petit. Voilà. Et moi, j'étais parti comme ça. J'avais pas compris à quoi ça servait. Alors qu'en fait, fallait pousser la tombe. Escompte fantôme. Il dit que ça lui bloque le chemin vers la prairie alors qu'il était devant nous. Il a qu'à passer par là. Enfin, bon. Voilà. Et il nous donne... Ah non, pas encore. Faut retourner là, pardon. Ah, je m'en suis sorti. Oh putain, c'est incroyable. Il fallait monter un escalier. Ah mais c'est gentil. Ouais, une montre pauvre. J'espère que tu iras dans l'autre... bientôt dans l'autre vie. Bon, merci. Pas encore fini le Oxo. Donc voilà, on a la première essence, donc là, qu'est-ce qu'on va faire, bien sûr? Eh ben, on va aller voir l'arbre pour avoir la deuxième. Donc, où est-ce qu'il est, cette année, arbre? Ah oui, c'est vrai, il nous l'a dit. Pff, je suis con, il nous l'a dit à la sortie de nom. Voilà, maintenant, enfin, faut aller dans la forêt de l'ouest. Oui, ça me revient. Ah tiens, vous allez voir un truc, ça va vous rappeler quelque chose. Voilà, vous avez compris, on va devoir utiliser mouche ici. Mais je ferai pas les mêmes erreurs que dans Seasons, où j'ai dû sauter cette trou. Enfin, de toute façon, là, il n'y aura pas besoin, parce que... Il n'y a pas de truc comme ça. Ah, on peut aussi passer par là, mais on est bloqué. Bon, je vous le montre, hein, au cas où il y aura des curieux. Moi, je suis ultra curieux, personnellement, donc... À chaque fois que je regarde les vidéos de quelqu'un, je me dis, putain, pourquoi il va pas là, machin. Donc là, je préfère vous le montrer, hein. Voilà, on peut pas passer. Ouais non, avec deux objets, il n'y a pas encore les bombes. Parce que en fait les bombes, on les a dans le deuxième tour. Enfin, un petit peu avant le deuxième tour. Donc là, il nous a dit d'aller dans la forêt de l'ouest. Donc attendez, je réfléchis. Est-ce que c'est dans le passé ou dans le présent qu'il y a le... Ouais, le facteur, ouais, c'est dans le passé. Ok. Ouais, alors ça, c'est excellent, vous allez voir. Non, c'est pas là, c'est dans le passé. Ça c'est juste des perroquets en fait qui nous disent... Enfin c'est un tutoriel quoi. Voilà, ils nous disent tous plein de petites astuces, de... Enfin voilà, parce qu'on connaît pas le jeu. C'est à croire qu'il faut commencer par Egide en fait. Hein. Vu qu'on a plus d'infos. Enfin, bon. Donc voilà, maintenant on peut aller dans la forêt de l'ouest. Hop. Donc je vous montre encore une fois. Là on peut pas passer, voilà. Là, la maison on ira plus tard. C'est pour la quête des échanges. Et on va descendre. Donc là vous avez entendu une musique, moi qui me saoulait au début, mais en fait je me suis habitué, j'aime bien. Okay. Oui mais moi j'ai beaucoup d'imagination. Alors l'entrée de la grotte là ça me fait penser à un chat qui s'est pris le mur en fait. Comme dans les cartoons. Enfin bon, faut avoir de l'imagination. Et là, ce que vous voyez en bas, en fait, c'est bien de l'eau polluée, quoi. Qu'on devra dépolluer plus tard. Donc là, vous allez voir que la forêt... Alors, on est obligé de faire ça, en fait. C'est trois fées. Ça, ça ressemble à des lapins volants. Voilà, donc allons se cacher. Il faudra les trouver. Voilà. Donc vous dites, c'est trop simple. Elle se cache sous le rocher. Machin. Bah non. Vous allez voir. Enfin, moi je connais l'astuce bien sûr, mais. Voilà, faut toutes les trouver. Sauf que le problème c'est qu'on regarde. Attendez. Voilà, ça change tout le temps. Donc là en fait, le truc c'est tout con. Faut pas chercher à trouver un chemin dans le truc. On fait comme ça jusqu'à ce qu'on tombe sur un truc où elles sont. Enfin, moi c'est comme ça que je fais, voilà. Enfin, hop là, il y en a une sous le rocher, je me rappelle.
Voilà, plus de deux. Je crois qu'il y en a une sous. Qu'est-ce qu'on dit? Je fais même plus. Ouais, elle est là. Voilà. Donc là, vous trouvez ça super simple aussi. Tout le jeu, vous allez dire, mais c'est, putain, c'est simple. Mais bon, voilà, je vais vite essayer, vous verrez que c'est pas si simple. Donc voilà, remettre la forêt dans l'ordre. Mais elles auraient tout aussi bien pu ne pas venir nous emmerder. Et laisser la forêt en ordre dès le début. Voilà, donc la forêt, bon, je vous la montre un peu, mais ça sert à rien pour l'instant. Là, il y a une terre fertile derrière ce truc d'herbe, là. Mais il faut passer par le passé, enfin voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié d'aller faire évaluer mon anneau. Qui est l'anneau terre fertile, je crois. Voilà, là, on n'a plus qu'à aller au deuxième donjon. Je vous laisse le suspense. Voilà. Donc, attention, chute de pierre, là, on enlève le truc, et... Et merde. Ah, c'est con, hein. Voilà, la citrouille. Il n'a pas pu nous le dire, plutôt. Voilà. Donc, du coup, ben, la grotte s'est effondrée. Hein. C'était bien la grotte. C'était bien la grotte du... Deuxième, comment ? La deuxième essence du temps. Mais elle s'est effondrée. Donc vous vous doutez bien qu'il faut aller dans le passé hein, pour le faire. En fait, à chaque fois, il va se passer des trucs dans le présent et il faudra aller dans le passé. Il y aura même un donjon. Je sais plus si on aura qu'un seul d'ailleurs. Je sais plus si on a un ou deux. Non, ouais. Il y en a qu'un, ouais. Il y aura un donjon qui sera à la fois dans le présent et dans le passé. C'est-à-dire qu'il faudra le faire deux fois, enfin, il y aura différentes salles selon l'époque aussi. Voilà, on va évaluer nos anneaux. Bon, force niveau 1. Et... Air fertile, voilà. Voilà, l'anneau terre fertile, qui fait un petit son à chaque fois qu'il y a une terre fertile pas loin. Et là il nous a dit d'aller voir Nehru. Moi je passe par là, c'est plus rapide, je vais te faire tout le tour. Hop, donc là les animaux qui ont perdu Nehru. Et enfin on va aller dans la maison de Nehru. Tout con, j'avais pas trop à réfléchir. Là, un objet qui brille intensément, la harpe des âges. Voilà, on a plus de champs. Voilà, c'est les petits signes qu'on trouvait par terre dont je vous avais parlé. On pourra les utiliser maintenant. Et voilà, on a enfin l'objet clé du jeu, qui est l'arbre des âges. Voilà, et il y avait plusieurs saisons dans
dans Oracle of Seasons, et là il y aura plusieurs champs en fait, qui feront différents, enfin ils servent tous à aller dans l'autre époque, mais ils sont plus pratiques quoi. Voilà, on oublie que la grotte on peut y aller dans le passé. Et donc c'est grâce à ces signes là qu'on pourra aller dans le passé. Donc on va tout de suite l'utiliser. Là aussi j'ai été bloqué, mais j'étais bloqué partout, je vais pas vous dire où j'ai été bloqué quand j'étais petit. Et voilà. Donc oui, quand je vous dis qu'il y aura des meilleurs champs après, parce que par exemple là on est obligé d'utiliser les petits symboles, alors que plus tard il y aura des champs qui permettront d'aller direct dans notre époque. Donc là on va retourner au... Ah oui, il faut que je vous montre ça, c'est impératif. Bah de toute façon je vais bien trop la vidéo, alors je vous montre ça. Alors ça c'est vraiment, c'est génial, c'est un de mes jeux préférés, c'est un mini-jeu. Alors vous allez voir, c'est vraiment énorme. Pas besoin d'explication, je vous explique. Des billes vont arriver, on les renvoie avec l'épée, comme ça. Voilà, et selon là où elles tombent, ça fait voilà, un rouge, un bleu. On pompe. Les bleus, les rouges font moins 10, les petits diables là que vous voyez en haut, moins 50. 30 les bleus et les fées font 100. Voilà. Et sans notre score à la fin, on a 10 essais. Hein. Sans notre score à la fin, bah là vaut mieux faire 0 que 50 moins 10. 50 plus 10 qui est moins 50 plus 10, pardon. Bon, j'aurais eu moins 40 si j'avais fait ça. Là, ça va nous faire 130 par exemple. Voilà, vous avez compris. Et on peut avoir des anneaux, des graines, des cœurs. Des cœurs, ouais, bon, c'est con. Des. Merde. Des cœurs et des. Et des rubis aussi. Ah, j'aurais la rage si j'ai pas le 350. Voilà. Voilà, et au bout de 10 essais, hein. Voilà, 350. Et ça fait un anneau pour 10 rubis. C'est pas génial, franchement. Regardez, je vais vous montrer. Anneau, voilà. 250, 349 graines. Après, 30 rubis. Un cœur. Et rien. Donc on peut avoir des graines gacha et tout très facilement. D'ailleurs si on se contrôle bien on peut... Attends, je vais essayer d'avoir une graine gacha. On peut avoir entre 250 et 358. Enfin 359. Ça va vite. J'ai beaucoup de temps pour la vidéo là. Ah oui, et si on loupe la balle ça fait... je sais plus, 0 je crois. De la merde. Enfin, voilà, ça c'est un truc que j'adore. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Merde, j'ai appuyé sur A comme un con. J'ai appuyé sur A au lieu d'appuyer sur B. Voilà, faut que je me dépêche. Ouais, voilà, ça fait moins 50. Donc j'ai fait de la merde. Hein. Tant pis. Donc je vous préviens que je quitte la vidéo, voilà. Maintenant. Voilà, bon. Minable, hein. Après, c'est aussi de la chance, quoi. Parce que selon ce qu'on a comme statue à casser, quoi. Donc là, on va faire un petit truc avant de se quitter. On donne la montre à lui, parce que lui, il veut... Il veut l'heure, voilà, c'est un facteur. Et en échange, il nous donne du papier à lettres. Et à votre avis, ça sert à quoi du papier à lettres? Ben, vous allez voir que ça sert pas forcément à créer une lettre. Vous verrez ça à la prochaine vidéo. Allez, salut!